fois. Je reçois pour vous le secrétaire général de l'UDPS. Bonjour, secrétaire. Bonjour. Vraiment, vos impressions à propos du succès d'hier? C'est une victoire qui consacre le couronnement de toute une lutte. Pour nous, c'est une grande joie. Le fait que ce qui a été un rêve hier est devenu une réalité. C'est vraiment, le défi a été réservé pour ceux qui disaient que l'UDPS n'accédera jamais au pouvoir. Telle ou telle autre considération, je peux attendre, je peux proposer, n'avons pas de pouvoir, mais là, nous n'avons pas de pouvoir de peuple et nous avons quand même un dernier message pour vous dire. Bon, le message est clair. Nous avons accédé au pouvoir pour le bien du peuple. Il va falloir que chacun comprenne que pour que Félix Tshisekedi réussisse, il a besoin du soutien de tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire on est plus de 80 millions d'habitants. Chacun doit comprendre qu'il a une guerre à l'aide de son fils pour que les choses marchent. C'est vrai, il y a des divergences entre nous d'ordre politique, idéologique. Il y a aussi ces clivages culturels. Mais nous, c'est un atout. Si nous le mettons tous ensemble, autour du nouveau président élu, qui d'ailleurs serait le premier président, à mon humble avis, qui bénéficie d'une légitimité populaire incontestable. C'est un atout déjà. Eh bien, pensons que demain, nous concrétiserons notre rêve, celui du peuple d'abord, celui du progrès social, celui de voir ce Congo devenir un arbre de paix et de sécurité, un pays où on aura le miel et le lait. Je transmets les félicitations de tous les combattants d'Afrique du Sud. Bonjour, à l'UDPS et au CG d'Afrique. Sans rival, nous sommes ici à la permanence de l'UDPS parti au pouvoir. Coup de chapeau à vous qui nous suivez de partout dans le monde. Je reçois pour vous une grande homme. Il s'agit de l'honorable professeur. Bonjour, cher ami. On est très content de vous voir. Président Félix Tshisekedi, notre fort opposant, aujourd'hui président. Un jour après sa prestation de série, vos impressions. Mes impressions est que le peuple a gagné. Le peuple a gagné. Nous avons mené une belle lutte. Bien sûr, ce n'était pas facile parce que nous avons resté tout le monde. Nous avons construit une représentante de la République. Mais nous avons tenu bon. Jusqu'à la dernière seconde, vous avez vu. L'impression, mais le mouvement de prestation de serment, c'est pour vous dire que ce n'est pas une lutte facile. Aujourd'hui, nous avons gagné et je crois que Dieu est avec nous, Dieu est avec le peuple et Félix, c'est un don de Dieu. Et il est avec le peuple, il sera porté par le peuple tout le long de son exercice jusqu'à la fin et la victoire est la nôtre. La victoire est la nôtre, l'incident d'hier s'est causé par quoi? Bon, scientifiquement, on nous a dit que c'était, il a eu un malaise dit à Dieu à l'étouffement. Suite au fait qu'il avait porté un gilet pare-balles qui n'était pas bien dimensionné à son profil. Et ça a créé un malaise. Mais la pression aussi, même la pression atmosphérique, parce qu'il faisait extrêmement chaud. Donc il n'a plus pas de gilet pare-balles, mais qui était en veste, en posé. Difficile à résister. On cherchait même à enlever nos vestes, mais lui qui avait déjà un accomplissement en lui et il devait tenir debout un discours, un long discours. Je crois que nous pouvions que comprendre ce qu'il y a eu. La pression même psychologique étant au rendez-vous avec toute cette foule, les combattants qui scandaient des slogans et tout ça. Donc c'est ça le poids de la responsabilité et je crois que c'est le passage obligé. Il a montré qu'il était un homme parce qu'il laissait rien. Nous voulons maintenant vous laisser un mot aux familles d'hier et aujourd'hui des ennemis. La Mouka contre votre pouvoir. Nous disons que nous ne sommes même pas nos ennemis. Nous pensons plutôt au fait qu'il y a un problème d'incompréhension. Il n'arrive pas à discerner la situation et surtout à se mettre dans le temps. Parce que l'unité, toute espèce a commencé sa lutte depuis très longtemps. Et même Dieu qui en est conscient ne pouvait pas faire que l'UDPS passe à côté de la victoire et que naturellement on puisse clarifier un autre groupe, des gens que nous avons blanchis et tout le reste. Moi je crois que la justice divine a été réalisée. L'UDPS a payé un lot de tribut et il y a eu
évidemment, moi je connais Jasper Saint-Pierre. Je sais que, je me rappelle encore, le 19 décembre 2016, je venais de sortir de la prison. J'étais ici lorsque nous avons eu le soupçon que l'une de la permanence allait être attaquée. Je n'ai pas vu des gens fuir. Ils ont tenu bon et d'autres ont quitté leur domicile pour venir ici camper. Et cette nuit-là, on a attaqué cet édifice et il y a eu des morts. Les gens étaient brûlés vifs. Qui peut faire ça? Quel parti peut faire ça dans ce pays? Moi, je crois que ça, c'est la justice divine. L'UDPS a une histoire que tout le monde connaît. Et cette victoire, nous la dédions à tous les morts. Nous la dédions à tous ceux qui ont combattu la dictature pour le mènement d'une véritable démocratie dans ce pays. Nous leur dédions cette victoire et surtout au peuple congolais. Parce que le plus gros slogan qui fait que l'UDPS est resté en phase avec la société civile, c'est le peuple d'abord. Merci. Un dernier message pour vous laisser au peuple qui vous soit. Au peuple qui nous soit. La victoire n'est pas une victoire de Félix, c'est une victoire du peuple. Nous pensons que la meilleure façon de faire pour que nous puissions atteindre notre objectif, le bien-être de tous, c'est de l'épauler, c'est de nous prendre en charge. Continuons à nous prendre en charge en considérant que la tâche incombe à nous tous. N'attendez pas que Félix vienne balayer votre parcelle, qu'il vienne balayer votre route. N'attendez pas qu'il vienne boucher votre caniveau. Il y a des travaux que nous devons entreprendre nous-mêmes. Nous devons sentir le changement de mentalité. N'attendez pas que Félix vienne vous dire que, écoutez, quand vous êtes sur la route, il faut respecter le code de la route. Donc ça, ce sont des choses que nous devons intégrer nous-mêmes. Quant à l'État, qui est sous son impulsion, il fera son travail. Et nous, en tant que droit de l'homme, nous veillerons à ce que lui qui est déjà prédisposé à travailler avec les droits de l'homme, avec la société civile, puisse être attentif et à l'écoute de tous nos besoins. Il va les satisfaire parce que déjà de nature, c'est un bon monsieur. Eh bien voilà, merci. Le temps de recevoir celui qu'on appelle Yokasson. Yokasson. Eh bien voilà, je demanderai à la réalisation de nous balancer la chanson Voter Tshisekedi, réalisée par les combattants d'Afrique du Sud. Michel, merci, c'est parti. Félix, l'espoir du pays. Bana Congo, bina bopesi na nihe mo Congo. Congo le mumba bina bopesi na nihe mo Congo. Election hoyo bina bakofote na nihe. Election hoyo bina bakofote na ni bandeko. Jerry Musungai, Mama Songa Mbeyi, Bendele ya Félix ya Ekoyate. Docteur Moulamba, Papa Aimé Bukasa, Asdeko, Bendele ya Chali, Yaya Feti Ekoyate, Bosimba Romanamu. Medi Medina, Moteba ya Félix Tshisekedi, Mama Clara Moulumba, Secrétaire Interfédéral. UMC South Africa, pas combattant Nyonso la diaspora africaine ici, Bisso Nyonso Sima Félix Tshisekedi. Soki Natali Bisso va Congolais, Penamio Kelimawa. Banda Tozua, indépendance Totika, comme on a essayé de vous en boucler. Asha Mangila, Mokosi, ya Wittberg. Moka etoni na Kita, Moka etoni na Baolo. Zambi yonde papa, opesa biso Congo. Zambi yonde papa, opesa biso Congo.